Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour chez Action et bien évidemment, j'ai craqué, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté tout d'abord cette jolie petite boîte noire de format A4 avec ses petites étoiles couleur or. Et je l'ai un petit peu tapissée pour donner un peu de lumière à l'intérieur de ces petites feuilles cartonnées. Et en fait, alors je l'ai payé moins de 2 euros ou 2 euros 20, je ne me souviens plus, j'ai vraiment plus le prix de la boîte. Et je me suis servi de ces feuilles que vous connaissez sûrement. Hop là! Voilà, avec différents coloris en fait, avec des petits imprimés. Voilà, alors je l'ai payé 1 euro là, celui-ci. Et j'ai pris ceux-là aussi qui sont super jolis. J'espère que vous allez voir. Regardez cette merveille. Voilà. Pas évident, je vais vous montrer. Regardez-moi tout ça, c'est super joli. Voilà, j'en passe. Alors, ça m'a coûté 1,16 € je crois, ceux-là, les feuilles cartonnées. Voilà, bon, je vais m'en servir, je ne sais pas encore pourquoi. On verra bien, je vous dirai ça. Ensuite, je me suis trouvé, alors, la superbe caméra HD waterproof. Voilà, je l'ai payé 12 euros, il me semble, 12,95 €. Alors, on peut s'en servir aussi bien dans l'eau, à la neige, en vélo. Voilà, ils vous disent, c'est une caméra HD avec un microphone intégré, objectif grand angle, 105 degrés, comprend un étui étanche professionnel, stocke des heures de vidéo. Enregistrement de cycle en continu sans interruption. Donc, elle a l'air super sympa. Je vous en dirai en retour. Ensuite, je me suis acheté cette jolie tirelire que j'ai payée, je crois, 2,99 € ou 2,79 €. Je ne me souviens plus. Donc, voilà, elle est super jolie et transparente. Donc, voilà, on met les petites pièces à l'intérieur et on voit à travers. Bon, ça serait sympa d'y mettre des petits billets, mais pour l'instant, on mettra que des petites pièces. Donc voilà, elle est super jolie. En bois derrière. Voilà. Vous avez le petit capuchon là. Voilà. Ensuite, je me suis acheté donc cette pochette pour les téléphones. Waterproof. Bon, j'espère que vous voyez. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors, c'est une box. C'est un caisson, ça s'appelle un caisson lumineux bulle. Donc voilà, qui s'éclaire, bien sûr. Voilà le packaging. Qui s'éclaire, voilà. Alors, c'est des grosses piles que l'on met à l'intérieur. Hop là, je vous éblouis. Et en fait, avec le feutre, bon, je vais l'éteindre quand même. Voilà, avec le feutre, c'est un feutre effaçable, bien sûr. Hop là. Voilà. Et celui-ci, je l'ai payé 2,99 €. Hop là, mais je vais le laisser. Voilà, ensuite, je me suis acheté alors ces jolis petits stylos. Vous savez, avec ces petites perles à l'intérieur. Je l'ai payé 99 centimes les deux. J'en ai pris deux paquets. Et dans l'autre paquet, il y avait rose et bleu. Voilà, vous tournicotez et la mine sort. Voilà. Super joli cela, donc très chic. Ensuite, je me suis pris ce joli petit cadre. C'est un cactus. Et en fait, j'ai enlevé le petit dessin qu'il y avait à l'intérieur et je l'ai un petit peu changé. Bon, rose, c'est peut-être pas trop top, mais bon, c'est ce qui m'est venu. Alors, je l'ai fait avec ceci. Vous le trouvez dans les rayons enfants. Ce sont des. Ces deux feuilles, en fait, là, c'est un modèle à poil. Bon, je ne l'ouvre pas parce qu'il perd énormément de peluche, celui-là. Par contre, je vous ai ouvert l'autre modèle. J'ai pris celui-là, modèle peau de vache. Il est là. Alors, ce qui est bien, c'est que ce sont des feuilles autocollantes. Donc, il y en a deux dans chaque paquet. Et je m'en suis servi aussi pour mettre sur un carnet. En fait, j'ai recouvert la feuille d'un carnet, en fait, la couverture d'un carnet. C'est super joli. Et ceci coûtait 79 centimes, le lot de deux. Voilà. Et donc, j'ai fait mon cadre avec.
Ensuite, je me suis acheté ces deux jolies petites bougies. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà le motif un petit peu. C'est pas le motif, c'est les impressions. Et celles-ci, je les ai payées 87 centimes. Voilà, elles sont super jolies. Je me suis pris aussi la fameuse bouteille, l'eau de rose. Alors, ils vous disent, elle est très bien, je l'ai essayée. Elle me picote un petit peu la peau, mais bon, finalement, elle fait bien son travail. Elle nettoie vraiment la peau en profondeur. Alors, ils vous disent, le tonifiant visage à l'eau de rose de Damas élimine toutes les impuretés. Qui peuvent y avoir sur votre visage, même après un lait démaquillant, ça nettoie. Super bien, donc voilà. Et il sent super bon la rose. Et je l'ai payé, excusez-moi, 1,56 €. Ensuite, je me suis acheté cette jolie tasse que j'ai payée 99 centimes. Avec un petit chatounet, trop mignonne. Et l'intérieur est vert. Voilà. Je me suis pris, alors j'ai trouvé ces fameux masques, vous savez. C'est des exfoliants, c'est des chaussettes anti-callosité en fait. Parce que là, je vais aller dans un mot qui va me faire bafouiller. Donc, c'est plus simple. Alors, ils vous disent que, alors, par le gel spécial, la formation de nouvelles cellules de peau sur les pieds est accélérée. Après 5 à 7 jours, les callosités tombent au fur et à mesure. Le processus de renouvellement de la peau, environ 1 à 2 semaines. Donc, ils vous disent de ne pas tirer sur la peau pour la détacher, de laisser faire son travail. Donc, ça se présente comme ça. C'est des chaussettes. Donc, je n'ai pas encore essayé. Je vous en dirai un retour. Voilà. Et ceci, je les ai payés, je ne me souviens plus, 1,89 €. Voilà. Et il y a une paire à l'intérieur. Ensuite, je me suis pris cette jolie boîte pour y mettre toutes mes petites choses, en fait, les petites perles ou autres. Voilà, donc c'est un petit clic. Pouf. Voilà, il y a plusieurs petits compartiments. Il y en a 5 à l'intérieur. Ensuite, je me suis pris ces jolis pots. Alors, je vais m'en servir pour mettre mes petites épices. Super jolies, regardez. Voilà. Ils font 62 centimes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Voilà, alors là vous avez un genre de petit, je me souviens plus, genre de petit caoutchouc pour enfin bien faire, quand on met le capuche, ça, je trouve plus mes mots, mais ça accroche bien quoi. Voilà. Et donc pour y mettre mes jolies petites épices, ça fera bien son affaire. Je me suis pris ces deux tissus. Oups là. Alors c'est du tissu velours. 1,95 €, j'ai payé. Alors, c'est sur 28 cm sur 2,70 m. Donc, 28 cm sur 2,70 m. Alors là, l'envers est comme ça. Et là, c'est vraiment doux, c'est du velours. J'ai pris noir, j'en ai pris deux. J'en ai pris un gris que j'ai pas sous la main. Et ben, c'est pour faire, j'ai pensé faire des petits sacs ou des petites pochettes, je sais pas encore, je verrai. Ou même pour recouvrir. N'importe quoi. Je verrai ce que j'en ferai. Je vous en dirai un retour aussi. Ensuite, je me suis pris ces jolies petites montres. Et elles faisaient celle-là. Je ne me souviens plus. Moins d'1 € en tout cas. Et c'est des montres LED. Voilà. Il suffit simplement d'appuyer dessus pour avoir l'heure. Elles sont mignonnes. Voilà, j'en ai pris une bleue, une verte. Ensuite, je me suis pris cette pochette. Alors, c'est pour y mettre les écouteurs, bien évidemment. Voilà, vous avez cette petite pochette à l'intérieur. Celui-là aussi, je l'ai payé, je ne crois même pas, 60 centimes. Je m'excuse, hein, je n'ai pas tout à fait les prix. Alors, ensuite, j'ai pris ceci à 99 centimes. À l'intérieur, il y en a 4. 4, et ce sont, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Il y a des petites poches comme ça pour le froid. En fait, c'est un réchauffement, tout simplement. Voilà. Je ne trouve plus mes mots. Ensuite, je me suis pris une boîte à mouchoirs. Voilà, qui fait même pas 1 €. Et les mouchoirs sont assez épais, par contre. Ils sont très bien.
Je me suis pris aussi ce joli petit œuf à 99 centimes. Voilà. Très joli avec ces petites plumes là. Trop joli. Ensuite, je me suis pris. Ah oui, alors je me suis pris ces ballons. Ils faisaient 1 euro. Je les ai trouvés, il y en avait pas mal. Donc, et c'est trop mignon parce que regardez. En fait, ils sont remplis de confettis. Hop là. Il y a de la poussière qui sort en fait. Mais bon, ce sont des tout petits confettis. Voilà. Une fois gonflé, ça doit faire super joli. Voilà, pour des petites fêtes, des anniversaires ou autres. Donc voilà, à l'intérieur, vous en avez 6 pour 1 euro. Voilà. Ensuite, ah oui, alors je me suis pris. Je me suis pris de la laine. Alors les pelotes de laine à 1 euro. 1 euro chacune. Et en fait, j'ai commencé à me faire un chapeau. Un bonnet du moins, pardon, avec ceci. Je me suis bien amusée à faire un bonnet. Alors, celui-ci, c'est un kit tricotin. À l'intérieur, il y a six produits. Donc, il y a 4 anneaux, plus la petite aiguille et le petit crochet. Et il m'a coûté, j'ai dû marquer le prix là, 3,99 €. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre le bonnet. En ce moment, je suis sur un nouveau modèle de bonnet. Enfin, je suis débutante, mais ça va, je m'en sors pas mal. Donc voilà. Voilà, c'est sympa. Ensuite, on passe donc à la nourriture. Ah oui, j'allais oublier. Je me suis pris aussi ceci. Alors, c'est une coque pour mon téléphone. En fait, elle était comme ça. Tout simplement, voilà, pichet de bière. J'ai fait, vous savez, ils vendaient des pochettes de fourreau, de semi-cuir, là, je ne sais pas comment on appelle ça en fait. Effet cuir que j'ai découpé, je m'en suis fait un fond. Voilà, donc c'est pour mon téléphone et celui-là, je l'ai payé 2 euros, je ne me souviens plus combien, 2 euros passés. Voilà, je vais passer donc alimentaire. Alors, je me suis pris un cappuccino que j'ai payé 1,09 €. Voilà, je me suis repris parce que c'était super bon et c'est parti à une vitesse, je m'y attendais pas. 2 pots de Nutella. Je me suis pris ces fameux gâteaux. Ils faisaient 1,69 €. Ils sont super bons. On s'est pris, alors, ils ont déjà été entamés, à 1,99 € des Kit Kat au chocolat blanc. Trop bon. En plus, j'ai pris aussi ces paquets de gâteaux. Ils sont trop bons. À l'intérieur, il y en a 5. Là, il en manque un. Et à 99 centimes. Ils sont vraiment, vraiment bons. Et ensuite, on s'est pris ceci. Alors, c'est des petits paquets. Ceux-ci sont à l'ail. Ceux-ci à la tomate. Et ceux-là, ils sont à l'ail aussi. Ils sont super bons. Je vais vous montrer. Voilà comme ça se présente. C'est un régal, vraiment bon. Et ces petites épingles, là, c'est le petit paquet que j'ai acheté aussi chez Action. Je m'en suis servi pour un autre usage. Et là, bon, je me suis dit pourquoi pas fermer mes petits paquets avec. Voilà, et je me suis pris ces petits pots de pâte qui m'ont coûté pas grand-chose, je crois, 57 centimes ou 37 centimes, des petites pâtes chinoises. Super bon. Voilà. Voilà, bah écoutez, l'action est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ma vidéo. Et puis, comme je le dis souvent, j'ai été ravie de faire cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, toujours n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche, pardon, et pour être informé de mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt et bye bye!